Ok l'équipe, c'est Zola pour GQ dans Don't Touch My Tattoo. Bye bye. Premier tatouage que j'ai fait, c'est celui-ci là. J'avais 15 ans. J'ai pris le train, pris le RER, je suis allé le faire dans le 9-3 à Tremblay. C'est pour ma grand-mère déjà, parce que je sais, elle kiffe l'Égypte un peu. Donc je l'ai fait pour ça. Beaucoup de signification sur la famille. Sur mon visage ici, sur le côté. C'est des écritures chinoises, mais ça veut dire maman. Je pouvais pas faire autre chose en fait, tu vois. Je pouvais pas écrire un autre truc parce que sinon je pense que j'allais le regretter. Là au moins je suis sûr de pas le regretter. Le scorpion, ici là. Je l'ai fait à Miami. C'est mon signe astrologique. Là ici, ben, y a pas vraiment de signification en fait. Mais en fait j'ai envie de remplir mon cou, tu vois. Celui-là il représente mes vacances quand j'étais petit en fait. Tu vois le coucher de soleil, il m'a fait archi mal. Je crois que c'est le plus douloureux. Je sais pas, je crois que j'ai dû rester 3 heures. Parce qu'en plus, tu vois, les peaux métisses, quand tu mets du rouge dessus, c'est plus difficile à tatouer. C'est-à-dire, le tatoueur est obligé de repasser, il repasse sur la plaie 1000 fois. Je suis en train de souffrir, je l'ai fait en 2 fois. C'était pour changer un peu du noir, tu vois. Je prends des tatoueurs avec pas mal de disponibilité et pas trop nul, hein. Je cherche pas à avoir des tatoueurs renommés. La plupart, je te mens pas, c'est beaucoup de coups de tête. Et beaucoup de coups de tête le jour même, surtout. Je me réveille, j'appelle le tatoueur et s'il a une place, il me tatoue le jour même. Carrément, des fois, je vais chez le tatoueur, je sais pas ce que je vais me faire tatouer encore. Déjà, les mains, je le ferai pas. Et les bras, je sais pas quoi faire, en fait, sur les bras. Si je fais sur les bras, ça va être une manchette, je pense. Et il faut un truc réfléchi, tu vois, c'est pas facile à faire. Il y en a un ici, là, lui, là. Je vais le faire repasser un jour, tu vois. C'est moi avec une rose et une mitraillette. Et vas-y, en vrai de vrai, ça a pas vraiment de signification. Donc un jour je le ferai repasser, mais vas-y après je le regrette pas de fou, tu vois.